أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Mes frères et sœurs en islam, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, celui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne, incha'Allah. Nous avons débuté le mois de Ramadan et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite vraiment le mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons tout simplement continuer l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, troisième épisode de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler du troisième épisode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Les frères et sœurs en islam, nous avons dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apprendre l'histoire du prophète Mohammed est vraiment obligatoire. Parce qu'on ne peut jamais prétendre aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut jamais prétendre suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut jamais prétendre être sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous-mêmes, on ne connaît pas l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons pratiquement fini avec la première partie, deuxième épisode. Et aujourd'hui, nous sommes troisième épisode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, nous posons des questions à nos frères et sœurs aussi, Inch'Allah. Nous avons parlé de la mort, le décès de la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina. Alors la première question va être tout simplement, le prophète avec quel âge sa mère est décédée? Le prophète Mohammed, il avait quel âge au moment où sa mère Amina est décédée? Nous avons parlé de ça. Donc ça c'est la première question avant de continuer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge au moment où sa mère Amina est décédée? Ça, c'est la première question. Alors, mes frères et sœurs en islam, au fur et à mesure, on va vous poser des questions, Inch'Allah, au cours de l'histoire, Inch'Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il était avec Khadija. Il a célébré son mariage avec Khadija. Les deux vivaient ensemble. Alhamdoulilah. Mon frère Zanga, il faut regarder ton téléphone parce que je pense que c'est toi seul qui dis volume. Il faut essayer de regarder ton téléphone pour voir. Je pense que les autres, vous m'entendez très bien. Regarde un peu ton téléphone pour voir. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne voulait pas se donner à l'adoration des fétiches et autres. Il était tout simplement en train de chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il ne connaissait pas Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment,
Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il partait adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte. Il partait adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une grotte. Et cette grotte-là, c'était Gharul Hira. Et quand il était dans Gharul Hira, il cherchait simplement à savoir, il cherchait simplement à connaître dans quelle direction je dois m'orienter. Parce que lui-même, il ne connaissait pas d'abord quel Dieu je dois adorer. Lui-même, il ne connaissait pas d'abord comment il va adorer Dieu, quel Dieu il doit adorer. Donc, il cherchait, parce qu'il ne voulait pas être comme les mécréants, il ne voulait pas être comme les autres qui adorent autre chose. Il voulait tout simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il partait dans Gharul Hira pour pouvoir adorer, pour pouvoir chercher Dieu. Deuxième question, pour ceux qui m'ont suivi et pour ceux qui continuent à me suivre. Deuxième question pour vous. Le grand-père du prophète Mohammed est décédé. Le prophète avait quel âge? Là, on a parlé de sa mère. Maintenant, je demande au niveau de son grand-père. Parce qu'après sa mère, c'est son grand-père qui a pris le prophète. Ok, maintenant, le grand-père du prophète Mohammed, il est décédé à quel âge? Ça, c'est la deuxième question. Le grand-père du prophète Mohammed, il est décédé. En ce moment, le prophète Mohammed avait quel âge? Quand il a perdu son grand-père. Les frères et sœurs en islam, Khadija et le prophète Mohammed vivaient ensemble. Ils ont eu des enfants ensemble, comme on a mentionné. Inch'Allah. Alors Khadija et le prophète Mohammed ont entamé leur vie ensemble dans la joie, dans la paix, dans la quiétude, Masha'Allah. Ils vivaient vraiment en amour, en harmonie, parce que ces deux-là s'aimaient vraiment. Khadija a aimé le prophète Mohammed, et le prophète Mohammed aussi a aimé Khadija. C'était vraiment un amour fou entre les deux personnes-là. C'était vraiment un amour, vraiment, Masha'Allah, tu ne peux pas imaginer. C'est Khadija qui a rendu le prophète Mohammed un homme. C'est Khadija qui a permis à ce que le prophète Mohammed soit vraiment quelqu'un de l'actualité. C'est grâce à Khadija que nous parlions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Et c'est grâce aussi au prophète Mohammed que nous parlions de Khadija aujourd'hui aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bonnes femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des bons maris, inshallah. Mes frères et sœurs en islam, alors le prophète Mohammed, quand il partait dans la grotte de Hira, Gharul Hira, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, étant là-bas, Khadija préparait pour aller donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle préparait à la maison pour aller donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, mes frères et sœurs, l'amour de Khadija et le prophète Mohammed était même pur. On vous a blagué avec l'histoire de Roméo et Juliette. Mais on vous a blagué avec ça. Cherchez à connaître l'amour qui existait entre le prophète et Khadija. Subhanallah. C'est même plus pur que Roméo et Juliette. Hein. Ils vous ont embobiné avec l'histoire de Roméo et Juliette en disant que c'était l'amour fou. Mais l'amour entre le prophète et sa femme Khadija était vraiment, masha'Allah, tu ne peux pas imaginer. C'est le prophète Mohammed qui était avec ses compagnons, il dit j'aime Khadija, subhanallah, masha'Allah. Mes frères et sœurs en islam, nous allons venir sur ça. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il y a un peu de bruit dehors là, avec les Égyptiens, c'est pas facile. Voilà. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté comme ça en train de chercher Allah subhanahu wa ta'ala. En train de chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dans la grotte, il va prier. Et Khadija apporte la nourriture à son mari dans la grotte. Masha'Allah, Gharul Hira. Retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom. Gharul Hira. Écrivez avec moi Gharul Hira. C'était dans la grotte où le prophète partait adorer, partait chercher l'adoration de Dieu. Gharul Hira. Gharul Hira. Partage la vidéo avec tes amis dans des groupes islamiques. Ça peut aider beaucoup de personnes, inshallah, à comprendre l'histoire de son prophète. Notre troisième question. Le prophète Mohammed et Khadija
Au moment où ils se sont mariés, Khadija avait quel âge et le prophète Mohammed avait quel âge? Au moment où le mariage de Khadija et le prophète Mohammed a été célébré, Khadija avait quel âge et le prophète Mohammed avait quel âge en ce moment? Ça, c'est la troisième question. Alors, un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, étant dans la grotte, quand il marchait, il était dans la grotte en train de adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète entend une voix. Le prophète Mohammed, à chaque fois quand il marchait, au moment où le prophète a atteint l'âge de 40 ans, d'accord, il était dans la grotte. Étant dans la grotte en train de chercher Dieu, automatiquement il a entendu une voix. Le prophète a entendu une voix. Et la voix surgit de partout. C'est comme si tu es dans ta maison et tu attends que quelqu'un t'appelle. Mais la personne qui t'appelle, la voix, ça sort de partout. Ça sort de l'est, l'ouest, nord, sud, ça sort de partout. Toi-même, tu te poses la question, mais la voix, ça vient d'où? Et c'était la même chose aussi avec le prophète Mohammed. Étant dans la grotte Gharul Hira, il attend son nom surgit de partout. Lui-même, il se pose la question, mais qui m'appelle? Et la voix que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entend, wallahi, il se demande, mais qui est en train de m'appeler? La personne appelle son nom. Ya Mohammed. Ya Mohammed. Ya Mohammed. Ya Mohammed. Le prophète Mohammed attend de partout son nom. Il se pose la question, mais qui est en train de m'appeler? Qui est en train de m'appeler? Allahu Akbar. La question, c'est tout simplement savoir, le prophète Mohammed et Khadija, quand ils se sont mariés, le prophète avait quel âge et Khadija avait quel âge? Ça, c'est la question. Alors, d'un coup, le prophète Mohammed voit l'ange Djibril qui vient vers le prophète Mohammed. Subhanallah, c'est tellement effrayant, mes frères et sœurs en islam. Le prophète dit dans sa parole que je n'ai jamais eu peur de ma vie. C'était la première fois que j'ai eu peur. Tellement peur que je ne sais pas ce que j'allais faire. Allahu Akbar. Tellement que Djibril est descendu sur le prophète Mohammed dans la grotte. Le prophète, mais tu n'as jamais vu quelque chose. Il s'est transformé en quoi? Personne ne sait. Et il vient vers toi. Et automatiquement, Djibril dit, l'ange Djibril dit au prophète Mohammed. Allahu Akbar. Ici, je vais tout simplement en profiter pour poser une question, pour voir si nous avons vraiment une très bonne mémoire. Le premier verset du Saint-Coran, qui peut nous dire, c'est quel verset? La première sourate plutôt. La première sourate du Saint-Coran et le premier verset, qui peut me dire? Je vais parler de ça, Inch'Allah. Alors Djibril, il vient simplement vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas à dire sallallahu alayhi wa sallam quand vous attendez le nom du prophète Mohammed. C'est très important. Je fais exprès de répéter le nom du prophète Mohammed plusieurs fois pour qu'ensemble nous puissions avoir des mérites quand nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Djibril vient vers le prophète Mohammed, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ikra. Ikra. Allahu Akbar. C'est bien ça, Ikra. Il dit au prophète Mohammed, Ikra. Ça veut dire, lis. Ah. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu, quelqu'un qui ne sait même pas, il n'a jamais même été sur le chemin de l'école, il est là comme ça, et quelqu'un vient te dire Ikra. Quelqu'un vient dans la grotte que tu te trouves, tu n'as jamais vu la personne, tu ne sais même pas c'est qui la personne, et la personne vient directement, il te dit Ikra, lis. Ça fait peur. Le prophète Mohammed dit, je ne sais pas lire. Ma anabikare. Je ne suis pas une personne qui peut lire. Je ne suis pas une personne qui peut réciter. Et Djibril répète encore une deuxième fois au prophète Mohammed, lis.
Et le prophète Mohammed réplique toujours, je ne sais pas. Troisième fois encore, Jibril répète encore, lis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas lire. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, troisième fois, Jibril essaye d'attraper le prophète Mohammed et il essaye de secouer le prophète Mohammed. C'est comme quelqu'un te dit quelque chose, comme par exemple à l'école. Quand on te pose la question que tu ne connais pas la question, le maître prend les chicottes et il te frappe avec. C'est la même chose comme le prophète. Il était tellement terrifié, il était tellement effrayé de la parole de Jibril. Donc, Jibril dit « lit » et lui, il ne sait pas ce qu'il doit lire, ce qu'il doit réciter. Alors, Jibril, il attrape le prophète Mohammed et il secoue le prophète Mohammed. Il a secoué le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, jusqu'à le prophète, vraiment, il a eu peur. Allahu Akbar. Le prophète veut courir, mais il n'y a pas d'issue. C'est comme Jibril a rempli la grotte. Wallahi. Allahu Akbar. Il n'y a pas d'issue. Il ne sait même pas où il va sortir. Il ne sait même pas où il va partir. Allahu Akbar. Alors, Jibril même a répliqué maintenant. Ikra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alak. Ikra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu Akbar. Alors, Jibril même réplique au prophète Mohammed, écra, lis, bismi rabbika allazi khalaqa, lis avec le nom de ton Seigneur, le Seigneur que tu es en train de chercher. Parce que nous avons mentionné que le prophète Mohammed, quand il partait dans la grotte, il cherchait à connaître qui a créé le monde, qui a créé les humains. Parce qu'il s'est dit que ça ne peut pas être les fétiches. Les fétiches ne peuvent jamais créer quelque chose. Donc, il cherchait à connaître, il cherchait à savoir vraiment qui a créé tout cela. Donc, l'ange Jibril aussi, c'est comme s'il a répondu à la première question du prophète Mohammed, parce que lui aussi, il cherchait à connaître qui est Dieu. Alors, l'ange Jibril dit, « Ikra bismi rabbika allazi khalaq. » Lis avec le nom de ton Seigneur. Ton Seigneur qui a créé les humains, ton Seigneur qui a créé l'univers, ton Seigneur qui a créé les bétails, ton Seigneur qui a créé les océans, ton Seigneur qui a créé les cieux et la terre, ton Seigneur qui a créé l'humanité tout entière. Allahu Akbar. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Donc, le premier khalaqa, ça prend tout. Le premier khalaqa, ça prend tout. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis avec le nom de ton Seigneur qui a créé tout. Automatiquement, le prophète Mohammed a su que déjà, il y a un créateur. Il y a un créateur. Il doutait, donc il y a eu sa réponse directement. Jibril va dire encore, il va rentrer maintenant dans la profondeur. Il dit, « Khalaq al-insana min alak. » Il dit, non seulement il a créé tout, mais imagine le prophète, il a créé un être humain de l'argile. Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez ce qui veut dire l'argile? L'argile, c'est tout simplement, par exemple, excusez-moi du terme, quand le sperme atteint l'ovule d'une femme, les premiers 40 jours, ça se forme comme de la glace. Quand le sperme d'un homme atteint l'ovule d'une femme, d'accord, l'utérus est d'une femme, automatiquement, ça se forme dans 40 jours. Donc, dans les 40 jours, là, c'est ce qu'on appelle alaqa, alaq, l'argile. Celui qui a créé des humains de l'argile. Allahu Akbar. L'argile est comme, par exemple, je vous donne de l'exemple, c'est comme si tu vas, par exemple, au bord de la mer et que tu prends le sable et, comment dirais-je, de l'eau, et tu mélanges ensemble. Ça donne quelque chose comme ça. C'est du genre comme ça. Donc, le sperme qui se forme en 40 jours, dans les premiers 40 jours de la grossesse d'une femme, Allah fait allusion à ça. Il explique au prophète Mohammed, c'est moi j'ai créé des humains de l'argile. Allahu Akbar, Masha'Allah.
Masha'Allah. Tu n'es rien, mon frère. Tu es en train de taper ta poitrine. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Tu viens de l'argile. Allahu Akbar. Tu n'es rien du tout. Wallah. Ceux qui ont tapé les poitrines aujourd'hui, ils sont enterrés sous la terre. Ils ne peuvent même pas parler. Ceux qui se tapaient la poitrine, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, ils sont actuellement dans la tombe. Il faut être humble. Tu n'es rien du tout. Voilà, Allah nous dit comment on a été créé. Allah nous dit comment on a été créé. Est-ce que étant argile, toi, tu peux faire quelque chose? Mais non. Allah explique au prophète comment il a créé les humains. Il dit cela encore, Jibril réplique encore. Khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Donc jusqu'à la fin du verset. Donc le prophète Mohammed, quand Jibril a dit cela, mes frères et sœurs, automatiquement Jibril a disparu. Allahu Akbar. Le prophète n'a plus vu Jibril encore en ce moment. Il a dit ça et automatiquement il est remonté. Le prophète a eu froid. Il avait tellement froid. Il avait tellement peur. Subhanallah, tu ne peux pas imaginer. Le prophète Mohammed a commencé à courir de gauche à droite. Mais Allahu Akbar, en ce moment, son oncle était là. En ce moment, il avait un ami, Abu Bakr. On va arriver, Inch'Allah. En ce moment, il avait des amis, il avait la famille. La grande famille était là. La maison de son grand-père était là. Mais wallahi, quand l'ange Jibril est apparu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a couru directement vers les bras de sa femme Khadija. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète a couru directement vers les bras de sa femme Khadija. Parce qu'il sait que c'est là-bas que je peux trouver réconfort. Parce qu'il sait que c'est là-bas que je vais avoir le cœur apaisé. Parce qu'il sait que c'est là-bas que ma femme saura quoi faire, wallahi, pour me calmer. Parce qu'il avait peur. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. D'abord, je vais vous donner la date, Inch'Allah, au moment où le prophète a eu la révélation. Prenez vos cahiers et écrivez avec moi aussi dans les commentaires pour ceux qui vont venir après. La révélation, le premier verset du Saint-Coran a été descendu sur le prophète Mohammed, a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça tombe typiquement 6 octobre en 610, un lundi. Et c'était dans le mois de Ramadan, 17e jour du mois de Ramadan. Écrivez-moi cela, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Parce que quelqu'un peut te demander comme ça dans la rue, un chrétien ou même un juif. Tu parles de ton prophète. Il a reçu la révélation quand? C'est à quel moment il a reçu la révélation? Il y a quelqu'un qui peut te demander ça. Et toi, tu n'as pas la réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, retiens bien ça. La révélation. Le prophète Mohammed, l'ange Jibril est apparu au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, 6 octobre. Ça tombe 6 octobre en 610. 6 octobre en 610. Et c'était dans Gharul Hira. Et c'était tout simplement 17e jour du mois de Ramadan, un lundi. Un lundi. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît, mes frères. C'est très important. C'est très, très important. Aujourd'hui, tu demandes à plusieurs personnes, il y a peu de personnes qui peuvent te répondre à ça. Mais aujourd'hui, tu connais la réponse. Ne demande plus cette question encore. Donc, c'est simplement 6 octobre en 610, 17e jour du mois de Ramadan. En ce moment, il n'y avait pas de Ramadan. Mais dans les calculs, ça tombait comme si c'était le mois de Ramadan, 17e mois de Ramadan. Mais en ce moment, il n'y avait pas de Ramadan. Il faut bien comprendre cela. Mais dans les calculs, c'est comme ça tombe si c'était comme 17e jour du mois de Ramadan et un lundi. Qu'Allah nous facilite la tâche. Donc, quatrième question que je vais vous poser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait combien d'enfants? Et qui peut nous donner le nom de ses enfants? Le prophète Mohammed avait combien d'enfants? Et qui peut nous donner le nom de ses enfants?
Ça, c'est la quatrième question pour vous. Alors, mes frères et sœurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il court directement vers sa femme Khadija, dans les bras de sa femme Khadija. Quand il arrive à la maison, Khadija était là. Elle a couru directement vers le prophète Mohammed. Elle a, wallahi, elle a embrassé le prophète Mohammed. Elle a fait accolade au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a serré très bien le prophète Mohammed contre elle, contre sa poitrine. Allahu Akbar. Elle a demandé au prophète Mohammed, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu es agité comme ça. Qu'est-ce que tu as? C'est comme si tu es pâle. Qu'est-ce que tu as? C'est comme si tu as froid. Voilà une bonne femme. Voilà une bonne femme. L'exemple d'une bonne femme. Allah. Oh, aujourd'hui c'est difficile, mes frères et sœurs. Aujourd'hui c'est difficile. Tu quittes au boulot, wallahi, avec le stress du boulot. Ton patron a chauffé ta tête. Subhanallah. Rien ne va au sein de ton boulot. Et quand tu rentres à la maison pour dire je vais avoir la paix avec ma femme à la maison, wallahi, c'est ta femme qui te fait même plus que ce que ton patron t'a fait. Aujourd'hui, c'est le cas de nos jours. Aujourd'hui, c'est le cas de nos jours. C'est pourquoi vous allez constater, il y a plein d'hommes, quand ils quittent au boulot, ils ont même peur de rentrer à la maison. Wallahi, ils ont même peur de rentrer à la maison. Ils restent dehors pour passer du temps avant de rentrer à la maison. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix du cœur. L'homme n'a pas la paix du cœur à la maison. La femme doit donner la paix du cœur à la maison. Moi, j'ai toujours dit cela, wallahi. Quand ton mari a un souci dehors, toi, tu dois être la femme qui doit apaiser le cœur de ton mari. Tu dois être la femme qui doit garantir, wallahi, une stabilité à ton mari. C'est comme ça. Et c'est ce que Khadija a fait aussi. Quand le prophète Mohammed court pour venir vers le prophète, Khadija, Allahu Akbar, donc Khadija attrape le prophète Mohammed et elle pose la question au prophète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Khadija, il dit j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. J'ai froid. Dassirouni, dassirouni. Zammilouni, zammilouni. Couvre-moi Khadija, couvre-moi. Couvre-moi avec ton corps. Couvre-moi Khadija. C'est ce que le prophète Mohammed disait. Couvre-moi Khadija. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce que le prophète Mohammed disait à Khadija. Couvre-moi. Et Khadija a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller simplement chez quelqu'un, chez son oncle. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné que Khadija, étant enfant, elle avait rêvé qu'il y a la lumière de la lune qui a surgi à la Mecque et que la lune est venue tomber dans sa maison. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? J'ai dit que Khadija a rêvé depuis au moment où elle était petite. En ce moment, le prophète même n'était même pas là. Elle a rêvé, elle a vu la lune avec ses lumières et que la lune même est tombée dans sa maison. Et son oncle a dit que c'est le dernier prophète que tu vas marier. Tu vas être la femme du dernier prophète, n'est-ce pas? Ça va s'accomplir maintenant. Imaginez, Khadija avait 6 ans et c'est à l'âge, subhanallah, c'est à l'âge de quel âge? Au moment où Khadija avait atteint 55 ans, c'est en ce moment que le rêve va se réaliser. Au moment où Khadija, elle a fait le rêve à l'âge de 6 ans. Et c'est à 55 ans que le rêve s'est réalisé. Allahu Akbar, à 55 ans. En ce moment, le prophète même n'était même pas là. Et c'est à 40 ans que le prophète Mohammed a reçu la prophétie. À 40 ans, le prophète avait 40 ans. Au moment où il a reçu la prophétie, et Khadija avait 55 ans. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Khadija a déjà 15 années de plus que le prophète Mohammed. Donc, quand ils sont allés simplement avec, comment dirais-je, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ma maman, la beauté africaine,
Je salue ma maman au passage, Inch'Allah. Et je demande à tout le monde de prier pour ma maman, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors, Khadija a pris le prophète, ils sont allés chez son oncle. Warakata bun Nawfal. Warakata bun Nawfal. C'était le nom de la personne, la première personne qui a dit à Khadija que ton mari est un messager. C'était Warakata bun Nawfal, l'oncle de Khadija. Ils sont allés chez Khadija, chez l'oncle de Khadija, et il a dit simplement que ce que le prophète Mohammed a vu, c'est ce que aussi tous les messagers ont vu auparavant. Allahu Akbar. Alors le prophète a su qu'il était un prophète, mais jusqu'à là, Allah n'avait pas donné l'ordre au prophète Mohammed d'aller vers les gens pour appeler les gens sur la religion islamique. Non. Jusqu'à présent, il n'y avait pas l'ordre d'abord. C'était simplement une apparition, c'était simplement la première révélation, mais Allah n'avait pas dit au prophète, va vers les gens d'abord. Ils ont passé quelques mois comme ça. Alors le prophète Mohammed, un jour, il était avec sa femme Khadija dans la maison. Ils sont assis, ils sont en train de causer. Et l'ange Djibril est descendu directement pour la deuxième fois. L'ange Djibril est descendu directement pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, il est descendu avec la sourate Mudassir. La sourate Mudassir. Et il dit au prophète Mohammed. En ce moment, le prophète Mohammed était couvert directement. Son corps était avec Khadija. Et il avait mis simplement un drap sur lui. Et l'ange Djibril est apparu. Il dit au prophète Mohammed. Ya ayyuham Mudassir. Kum illay kum fa'anzir. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله اكبر. Voici deuxième verset coranique qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, il était avec sa femme Khadija dans la maison. Donc, Allah a donné l'ordre maintenant au prophète Mohammed de sortir maintenant pour aller vers les gens, pour appeler les gens vers la religion maintenant. Voilà maintenant la prophétie commence. C'est là la prophétie commence maintenant. Alors le prophète Mohammed se sent maintenant obligé de sortir pour aller vers les gens. Mais est-ce qu'il doit sortir directement pour aller directement dire aux gens que je suis un prophète? Mais qui va croire à ça? Qui va croire à ça? Tu es avec nous ici et un coup comme ça, tu te lèves pour dire que tu es prophète. Mais même nous, on ne va pas te croire. C'est comme par exemple, moi, Cheikh Ali, je vous dis aujourd'hui que je suis un prophète. Comme par exemple, il y a des personnes qui s'appellent Dieu aujourd'hui. Allahu Akbar. Ce Dieu est là même, je pense qu'ils l'ont déjà enfermé. Mais lui-même, il s'appelle Dieu, mais il n'a pas pu même lui-même s'empêcher de rentrer dans la prison. La prison que lui-même, il prétend que c'est lui qui a créé cela. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Mes frères et sœurs en islam, donc c'est comme ça le prophète Mohammed s'est senti maintenant, donc il doit sortir vers la population de la Mecque, il doit sortir vers les Mecquois pour appeler ces gens-là vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la religion islamique, la meilleure religion au monde. Je suis fier d'être musulman. Ensemble, on doit toujours dire, je suis fier d'être musulman. Voilà comment la religion islamique est venue, mashallah. Écrivez avec moi, je suis fier d'être musulman, mashallah. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit maintenant se préparer. Mais sa femme Khadija, j'ai dit toujours ici, mes frères et sœurs en islam, Khadija a été vraiment une aide au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si, par exemple, on te dit que tu es un prophète, la première personne qui doit te croire, mais c'est ta femme. Si ta femme ne te croit pas, qui va te croire? Sérieusement. Si ta femme ne te croit pas, qui va te croire? Si on dit que tu es un voleur et que ta femme dit « mon mari n'est pas un voleur », les gens vont croire à ça. Mais si on dit que tu es un voleur et que ta femme même dit
c'est un voleur. Wallahi, les gens vont te prendre comme un voleur, même si tu n'es pas un voleur. C'est comme ça, mes frères et sœurs en islam. Khadija a été la première personne, je dis bien la première personne, ce n'est pas les hommes, les femmes, les enfants, la première personne a dit au prophète Mohammed, quand le prophète Mohammed a expliqué ça à sa femme, elle a été la première personne à dire « Je te crois et je suis une musulmane aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je suis une croyante et je te crois, je crois en tout ce que tu dis. » Elle dit au prophète, le prophète dit « J'ai peur, comment je vais faire ça? Comment je vais annoncer cela aux gens ?» Wallahi, Khadija dit à son mari, « Toi, tu es un homme qui a pitié des orphelins. Tu es un homme honnête. Tu es un homme de véridique. Tu es un homme qui est sur la bonne voie. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu n'as jamais blessé quelqu'un à la Mecque ici. Alors, Wallahi, Allah ne va jamais te laisser. Si Allah t'a confié la tâche d'être un prophète, sache que ton Seigneur ne va jamais t'abandonner. Ça, c'est la bonne femme. Ça, c'est la bonne femme. Ça, c'est l'aide d'une femme. Mais Wallahi, si ta femme, si Khadija avait refusé le prophète Mohammed depuis sa prophétie, depuis le premier jour où le prophète a été envoyé vers les gens, si Khadija avait refusé, tout le monde en va refuser. Wallahi, pourquoi on va accepter? Mais ta femme même ne t'a pas accepté. C'est nous, on va t'accepter. C'est comme ça. Si Khadija avait dit non, mais elle allait sortir pour dire à tout le monde que ce n'est pas un messager qu'il ment. C'est ce qu'elle allait dire aux gens. Mais elle a accepté et elle a soutenu son mari. Et voilà là où son mari est actuellement. Tout le monde parle de son mari. C'est grâce à Khadija. Mais Wallahi, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu es avec ta propre femme. C'est elle-même qui sort avec toi. Tes secrets sont dehors. Wallahi, les gens sont au courant de tout ce que toi tu fais à la maison. Les gens sont au courant de tout ce que toi tu vis à la maison. Tu es à la maison, au fait, tu marches, mais tu es nu. Tu marches dans la rue, mais tu es nu. Tout le monde connaît tes secrets. C'est ta femme. Et c'est vice-versa aussi. L'homme aussi, c'est la même chose. C'est comme ça. Vous devez vous aider. Même un prêcheur. Nous qui prêchons par exemple sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas une femme qui t'aide, si tu n'as pas une femme qui partage tes prédications, qui te soutient dans ce que tu fais, le monde entier, Wallahi, personne ne va te soutenir. C'est comme ça. Mais si vous voyez aujourd'hui Cheikh Ali en train de... Je m'assois aujourd'hui dans des belles vêtements, dans des jolis vêtements. L'endroit... Si vous voyez, aujourd'hui, je parle sans même me fatiguer. Chaque jour, je parle sans même me fatiguer. Wallahi, il faut remercier Ada Fantali Cheikh Ali. Mon légume de couscous. Il faut remercier cette femme-là. Wallahi. C'est grâce à elle, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur et je m'assois avec fierté pour parler. Tout ce que vous voyez en moi comme habit, c'est grâce à elle. Oui. Quand je sors pour venir faire direct, c'est elle qui me dit, non, ça c'est pas joli, porte ça, porte ça, porte ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est ça qui fait avancer un homme vers la réussite. C'est ça qui fait avancer un homme. Et c'est ce que Khadija a fait aussi. C'est ce que Khadija a fait aussi. Nous remercions Khadija. Parce que si elle avait laissé son mari, si elle avait laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi billahi, nous-mêmes, on allait laisser le prophète. On n'allait même pas connaître le prophète. Mais on s'en fout. Parce que ta femme même ne te soutient pas. Ta femme même n'est pas là pour toi. Il faut que ta femme soit là pour toi. Dans tout ce que tu fais. Et un homme aussi, c'est comme ça. Tu dois être là pour ta femme aussi. Dans tout ce qu'elle fait dans la vie. Tu dois soutenir ta femme. C'est comme ça. On doit se soutenir mutuellement.
Être ensemble n'est pas simplement rentrer dans la chambre. Être ensemble, c'est de vivre ensemble, c'est de se soutenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé d'avoir une femme, une bonne femme, wallahi, Allah t'a, aidé sur une partie de ta religion. Alors tu dois avoir peur de l'autre partie de ta religion. Mes frères et sœurs en islam, il faut vraiment aimer nos femmes, il faut aimer nos hommes et il faut nous soutenir. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va tout simplement aller d'abord vers son ami. Parce que nous tous, on a un ami intime. Oui, on a un ami intime avec nous. Après la femme, on a peut-être une camarade intime. On a peut-être un ami intime. Et l'ami intime du prophète Mohammed, c'était Abu Bakr. Alors le prophète Mohammed s'approche à Abu Bakr. Il dit à son ami intime, je suis un prophète. J'ai reçu la révélation. Est-ce que tu me crois? Allah me demande de guider les gens vers la religion islamique. Est-ce que tu me crois? Ah, on a des amis. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ils seront toujours avec nous. Wallahi. On a des amis dans la vie. Quel que soit ce qu'on fait, ils vont être toujours avec nous. Wallahi. Il faut taguer une camarade ou un ami qui t'a toujours soutenu dans tout ce que tu fais. Il faut montrer ton amour à cet ami, comment dirais-je, à l'ami. Là, c'est très important. Il faut être reconnaissant. Mes frères et sœurs en islam, alors, Abu Bakr directement a dit au prophète Mohammed, je te crois. Sans même hésiter. Il n'a même pas dit, non, je vais réfléchir. Je vais... Non, non, non. Il dit, je te crois. Directement. Allahu Akbar. Donc, il y a Khadija qui est déjà musulman. Il y a Abu Bakr qui est déjà musulman parmi les hommes. Et automatiquement, il y avait Sayyidina Ali. Son frère. Ali était son frère parce que le père de Sayyidina Ali Abu Talib était directement aussi, comment dirais-je, le frère du prophète Mohammed. Parce que le père de Ali et le père du prophète Mohammed, c'est même père, même mère. Même père, même mère. Donc cela fait directement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ali sont des frères. Donc c'est son petit frère qui est Ali. Donc il a expliqué aussi, en ce moment, Ali, il avait simplement que 10, 11 ans. Quand l'islam est venu, Ali n'avait pas, comment dirais-je, Ali avait simplement 11 ans, 12 ans par là. C'était un enfant. Ali, c'était un enfant, il avait simplement 11 ans, 10 ans. Quand il est devenu musulman, 11 ans, 10 ans. Vous voyez? Donc, Sayyidina Ali, au moment où il a accepté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a couru directement vers son père, lui-même son père. Il a couru directement vers lui-même son père. Et il a expliqué à son père. Il a commencé à réciter les versets coraniques. Ah, automatiquement, son père même demande, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Le Coran, le prophète, comment dirais-je, les cieux, la terre. Lui-même, c'est devenu étrange pour lui. Le père est l'oncle du prophète Mohammed, lui qui a comme éduqué le prophète Mohammed, qui a été vraiment à la garde du prophète Mohammed. Lui-même, il était étonné de son fils qui est en train de parler de Dieu, du prophète, du temps. Il dit, mais c'est qui le prophète? C'est qui Dieu? C'est qui tant? C'est qui les cieux, la terre? C'est qui tant? Les versets coraniques sont vraiment étonnants sur lui-même, au fait. Il ne comprend pas. Alors, Abu Bakr aussi a parlé à Ousmane. Ousmane était l'ami d'Abu Bakr. Abu Bakr aussi a parlé à Ousmane. Ousmane aussi a accepté. Ousmane aussi a accepté. Donc, ça fait déjà 4 personnes. Donc, Khadija, Abu Bakr, Ali et Omar. Et comment dirais-je, Ousmane. Donc, c'était 4 personnes. Maintenant, le prophète Mohammed, il doit sortir maintenant pour aller vers lui-même, son peuple, sa famille d'abord. Parce qu'Allah a fait descendre un autre verset encore.
Et ce verset-là dit tout simplement au prophète Mohammed, « Wa anzir ashiratak al-aqrabin. » Va vers les personnes, ta famille, ta propre famille, va d'abord vers ta famille et parle d'abord avec ta famille. Après avoir fini de parler avec ta famille, maintenant tu peux lancer maintenant la da'wa. Donc on appelle ça, parce que la da'wa c'était deux parties. Il y avait la da'wa dans l'ombre, parce que ça ne pouvait pas sortir comme ça. Il fallait faire doucement, doucement. Ce qu'on appelle da'wa dans l'ombre, da'wa tu sirriya, dans l'ombre. C'était sa famille, ses amis et tout. Donc le prophète Mohammed convoque ses parents, ses oncles. Il a convoqué tout le monde. Hamza, Abbas, Abu Talib, Abi Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal. Il a convoqué tout le monde, sa famille. Et il est allé monter sur la montagne de... Il y a d'autres qui disent, comment dirais-je, Sofa. Il y a d'autres qui disent que c'est Marwa. Entre les deux montagnes, il a été sur, comment dirais-je, l'une des montagnes. Et il a commencé à parler à sa famille. Regardez comment le prophète Mohammed va débuter sa parole. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné que le prophète Mohammed a été surnommé à la Mecque Mohammedul Amin, n'est-ce pas? Mohammed qui est véridique, un homme honnête. Une personne qui est honnête, n'est-ce pas? Un homme honnête. Mohammedul Amin. Donc, puisqu'il a été surnommé comme ça. Donc, le prophète Mohammed, il veut parler maintenant à sa communauté, à sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il va commencer avec stratégie. Il dit, est-ce que depuis moi, le prophète Mohammed, je suis là? Est-ce que j'ai une fois menti? Est-ce que vous m'avez vu une fois en train de mentir? Wallahi, tout le monde... Ils disaient, non, tu n'as jamais menti. On ne te connaît même pas avec la mensonge. Toi, tu ne fais que dire la vérité. Tu n'as jamais menti. Allahu Akbar. Regardez la stratégie du prophète Mohammed. Il demande à ces personnes-là, plusieurs personnes, est-ce que j'ai une fois menti ici à la Mecque? Wallahi, tout le monde a dit non. Il dit, mais vous m'appelez comment? Tout le monde dit, nous t'appelons Mohammedul Amin, l'homme qui est honnête, un homme qui est véridique, un homme qui n'a jamais menti de toute sa vie. Allahu Akbar. Alors, le prophète Mohammed dit maintenant, est-ce que, deuxième question, regarde, deuxième question du prophète, il dit, est-ce que si je dis qu'il y a un peuple derrière la Mecque, qui veulent venir nous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? Ils disent, oui, on va te croire. Même si tu dis qu'il y a des gens dans la Mecque ici qui veulent tomber sur nous, on va te croire. Ça veut dire, il a amené ces personnes-là à savoir qui il est d'abord. Il a amené ces personnes-là à savoir qui il est d'abord. Lui-même, il est qui d'abord? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, toutes les personnes, ils ont confirmé, ils ont certifié que le prophète Mohammed n'a jamais menti. Et tout ce qu'il dira, ils vont accepter. Le prophète Mohammed, troisième, il dit maintenant, je suis un prophète que Allah a envoyé vers vous. Je suis le dernier messager. Alors, celui qui va me suivre, la personne aura la paix du cœur et la personne aura le paradis. Mais celui qui va me désobéir et celui qui va s'orienter vers mon chemin, la personne aura simplement un châtiment le jour de la résurrection. Directement, il y a eu des murmures. Tout le monde a commencé à parler de gauche à droite. Un prophète, un prophète, un prophète, un prophète, un prophète, un prophète. Jusqu'à son oncle, Abu Lahab, Allahu Akbar. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Tabbat yada abi lahabim wa tabba. Tabbat yada abi lahabim wa tabba. C'est là où on va commencer ici. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed a dit qu'il est un prophète. Il a été envoyé par Dieu vers l'humanité. Et ils doivent suivre
son chemin. Son oncle, où Allah a dit Tabbat Yada Abi Lahab, lui, il a directement dit au prophète Mohammed, Tabban lakaya Mohammed. Wallahi, ma bouche même ne peut pas prononcer cela, tellement que c'est un mot vulgaire. Lui, il dit au prophète, mais tu es maudit. Est-ce que c'est pour ça que tu nous as réunis ici? Tabban lakaya Mohammed, Ali hadha jama'atana. C'est pour ça que tu nous as réunis ici, simplement pour nous dire que tu es un prophète. Depuis matin, nous sommes arrêtés sur, nos pieds. Mais tu ne sais pas que tu es en train de chercher la malédiction sur toi, le prophète Mohammed, à cause de ce message. Est-ce que tu deviens fou? Mais oh, pourtant, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'on te croit. Oh, pourtant, c'est eux-mêmes qui ont dit que tu n'as jamais menti. Oh, pourtant, c'est eux-mêmes qui ont dit, si tu dis quoi que ce soit, on va accepter. Mais c'est eux qui ont commencé à dire que c'est un menteur directement. Vous voyez l'être humain. Quand le cœur est raffermé, ce n'est pas la peine. Alors que c'est eux-mêmes qui ont confirmé que c'est un homme véridique, que c'est un homme honnête. Et c'est eux-mêmes qui reconfirment encore que non, il est maudit. Pourquoi? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas attendu Allah et il a défendu son prophète directement. Il a révélé au prophète Mohammed la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Il dit au prophète, Wallahi, toi tu n'es pas maudit. Mais c'est abi lahabin même qui est maudit. Il dit, les deux mains de abi lahab sont maudits. Et lui-même, il est maudit. Ma agna anhu maluhu wa ma kesaba. Il dit, son argent et tout ce qu'il a gardé ne vont jamais pouvoir sauver Abi Lahab de l'enfer. Ça veut dire, dès lors, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que Abi Lahab, il va rentrer en enfer. Wallahi, dès lors, à cause du mot qu'il a prononcé à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, tu seras en enfer. Ton argent et ton rang social et tes enfants ne vont pas t'aider, te sauver le jour de la résurrection contre l'enfer qui brûle. Ma agna anuhu maluhu wa ma kesab. Sayasla naran zeta lahab. Nous allons jeter Abi Lahab dans le feu qui brûle. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. La femme de Abi Lahab, nous allons revenir inshallah sur son histoire très bientôt dans la quatrième partie de l'histoire inshallah. Alors elle a dit que sa femme aussi va être en enfer parce que c'est elle qui prenait simplement les les piquants sur le chemin du prophète. On va parler de ça, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed a commencé à appeler les gens en cachette. Voilà la souffrance. La souffrance de notre prophète Mohammed va commencer ici. Allahu Akbar. La souffrance du prophète Mohammed va commencer ici. La souffrance va commencer ici. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, nous, au fait, l'islam est venu comme enveloppe. L'islam est venu comme enveloppe. Et on nous a donné l'islam. Tenez, pratiquez, c'est-à-dire ouvrez la lettre, l'enveloppe, et lisez simplement la lettre. L'islam est venu comme ça pour nous, tellement que c'est venu facile. C'est venu, tout est clair. Mais nous-mêmes, on dit non. La lettre que tu nous as envoyée, là, le prophète Mohammed, il y a la faute des grammaires. On va corriger ça. Il y a une partie où conjugaison n'était pas correcte. On va corriger ça aussi. De la manière dont la personne qui a écrit la lettre là, son écriture n'est pas bien. On va corriger ça aussi. C'est nous-mêmes, on a compliqué cette religion là dans notre main. Sinon, la religion est très facile. Nous, on n'a rien fait dans la religion. On n'est même pas fatigué. Wallah, c'est venu comme ça, tenez. Et nous, on a trouvé vraiment des complications. C'est-à-dire, nous-mêmes, on se complique la religion sur nous-mêmes au fait. Mais la souffrance que le prophète Mohammed et ses compagnons ont vécue,
Vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est le début de l'islam. Le début de l'islam. Le prophète Mohammed commence à appeler les gens vers la religion. Il commence à appeler les gens vers la religion. Les gens commencent à adhérer dans la religion islamique. Ammar ibn Yasir, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ousmane, Ali, Abu Bakr et certaines personnes se sont alignés à la religion et ils ont accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, ils étaient 13 personnes. 13 personnes. Allahu Akbar. 13 personnes. Des 13 personnes, ils sont revenus à 25 personnes. Des 25 personnes, ils sont revenus à 30 personnes. Des 30 personnes, ils sont revenus à 40 personnes. L'islam a débuté, la souffrance a débuté avec 40 personnes. Et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala dans Darul Arqam. Il y avait une maison qu'ils partaient tout simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala et la maison c'était Darul Arqam. Darul Arqam. Retenez bien ce nom, c'est très important. Darul Arqam. Mes frères et sœurs en islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La souffrance va commencer maintenant. Mais Inch'Allah, nous allons tout simplement mettre fin à l'histoire aujourd'hui, si Allah le veut, Inch'Allah. Et demain, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, nous allons continuer notre histoire, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Car ici, il est déjà l'heure de la prière. Et nous, on doit effectuer la prière dans 5 à 7 minutes, Inch'Allah. On va prendre cela simplement pour prier pour vous, pour tout le monde, Inch'Allah. Car nous sommes actuellement, c'est ce que je dis toujours, l'histoire du prophète Mohammed est profitable pour toi, c'est profitable pour nous, c'est profitable pour tout le monde. Ne garde pas pour toi seul, ça peut aider ton prochain, ça peut aider ton ami, ça peut aider tout le monde. Tout le monde, je dis bien. Partage avec tes amis dans des groupes islamiques, ça peut aider beaucoup de personnes. Écoute avec tes enfants dans la maison, Inch'Allah. Donc les 5 minutes, nous allons prendre, Inch'Allah, pour faire la bénédiction pour tout le monde. Et après, nous allons faire la prière, Inch'Allah. Et demain, nous allons continuer l'histoire. Mais demain, Inch'Allah, ça ne serait pas, comment dirais-je, à 14h30. Je vais tout simplement lancer le message, Inch'Allah, si Allah le veut. Je vais vous lancer le message à quelle heure nous allons fait, Inch'Allah, mais demain, ça ne serait pas 14h. Voilà, peut-être ça peut même être dans la nuit, mais quand même, je vais vous lancer le message, Inch'Allah, le programme, et vous allez voir le programme, Inch'Allah, si Allah le veut. Qu'Allah nous facilite la tâche, qu'il nous guide sur le droit chemin. Nous sommes en train de jeûner le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter la tâche. Donc, demain, ce n'est pas 14h, comme j'ai mentionné. Ce n'est pas 14h30, mais je vais vous lancer le programme. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, vous allez voir le programme sur la page, Inch'Allah, si Allah le veut. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite vraiment d'être des musulmans sincères. Qu'Allah nous facilite vraiment d'être. Merci beaucoup à la sœur Fatima Zahra Bamba pour le partage et pour d'être toujours là, Inch'Allah. Et je salue aussi, Inch'Allah, tes collègues du travail aussi qui sont avec toi. Je remercie tout le monde, je salue tout le monde, Inch'Allah, toutes les personnes qui laissent le temps pour venir écouter le direct, Inch'Allah. Qu'Allah vous fortifie, qu'Allah vous guide sur le droit chemin, qu'Allah vous facilite la tâche, Inch'Allah. Qu'il nous permet vraiment d'être des musulmans sincères, c'est ce qui est bien. Au fait, on écoute l'histoire du prophète pour apprendre davantage, pour apprendre beaucoup de choses, pour être vraiment sur la voie. Parce que nous suivons le prophète. Si nous disons que nous aimons le prophète, nous devons apprendre l'histoire du prophète Mohammed. C'est ce qui est bien. Nous devons apprendre l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très, 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 très important. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا فارج الهم فرج همومنا ويا كاشف الغم اكشف غمومنا ويا مجيب دعوة المضطر أجب دعوتنا
ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تنجينا بها عن رحمة من سوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارج الهم فرج همومنا ويا كاشف الهم كشف غمومنا ويا مجيب دعوة المضطر أجب دعوتنا ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تنجينا بها عن رحمة من سوى برحمة تغنينا بها عن رحمة من سوى برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سوى إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وقراءتنا قراءة الذاكرين وركوعنا ركوع المتوكلين وسجودنا سجود المتوجعين وتشهدنا على التشهد الصالحين وسلامنا سلام المؤمنين ونيتنا نية المخلصين قولنا قول الصالحين وفعلنا فعل الفاعلين وحياتنا حياة الساعدين وموتنا موتة الشاهدين ولا تهلكنا مع المهالكين وتنجينا مع المناجين وأكرمنا مع المكرمين اللهم اغفر ذنوبي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Mes frères et sœurs en islam, toujours, comme j'ai dit, inshallah, nous sommes en finition de notre mosquée. Nous avons besoin de chacun d'entre vous, inshallah, pour la participation, pour que nous puissions terminer, inshallah, et pour que la population de Sogili puisse vraiment prier dans la mosquée dans les 10 dernières nuits. Inshallah, c'est notre souhait, mais on ne peut pas réaliser cela sans vous. Vraiment, pour ceux qui veulent faire des dons dans le mois de Ramadan, pour finaliser cette mosquée-là, vous pouvez nous contacter. Mon numéro est sur ma page, Inch'Allah, sur le WhatsApp, pour faire vos dons. Ou bien écrivez-moi sur ma page directement pour faire vos dons. Vraiment, je compte sur vous, Inch'Allah. Je compte sur chacun d'entre vous pour finaliser cette mosquée-là. Nous avons commencé ensemble. Terminons ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله إلى demain